Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maraprod. Alors vous allez me demander qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Et on est sur une nouvelle revue de commandes. En fait, c'est plutôt la suite de cette grosse commande-là. C'était un devis séparé, toujours pour le même client. Donc en gros, il voulait des boîtes de rangement pour ses équipes de Blood Bowl. Donc là, on est carrément sur de la menuiserie. C'est plus de la figurine, c'est plus de la menuiserie. Donc je suis un peu sorti des sentiers battus avec cette commande-là, mais c'était toujours intéressant à faire. L'idée, c'est qu'il m'a envoyé une boîte de référence. Ça, c'est pas moi qui l'ai faite, c'était quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quel service lui avait réalisé cette boîte-là. Réalisée en médium, alors il y avait des petites fêlures, mais sinon c'est plutôt bien fait. Et donc on est sur des boîtes à glissière comme ça, avec une petite défonce pour bien prendre en main la boîte. Et à l'intérieur, l'idée c'est de pouvoir caler une ou deux mousses de ce type. Donc, voilà. L'une sur l'autre pour pouvoir ranger des figurines avec les protections adéquates. Donc voilà, vous avez les petites défenses sur les côtés là qui permettent de faire la charnière. Et donc ça, c'était les Orkland Chief. Donc j'imagine une équipe d'orques. Et donc moi, j'ai réalisé ces six autres boîtes pour ces six autres équipes. Donc on a les Sport Addicts, qui serait donc une équipe de Nurgle. Full pain à l'intérieur et tout ça, avec des petites autocollants. Alors c'est pas moi qui ai réalisé les logos, mais j'ai trouvé que ça, par contre, c'était plutôt bien trouvé au niveau des idées. Franchement, on a des beaux noms, et puis le graphiste a bien fait son boulot. Et donc moi, je me suis juste occupé de l'édition de ces autocollants-là. Et puis du coup, sur les planches, pour compléter, il y en avait des plus petits, donc je les ai mis en supplément. Donc là, on a les Sport Addicts, sur un vert un peu foré, un peu foncé. On a les Grave Titans, donc là ça doit être une armée de morts-vivants, enfin, une équipe de morts-vivants, toujours à l'ICR. Alors moi j'ai pas fait tout à fait la même réalisation que sur la première boîte qui était en full medium, parce que j'ai pas tout à fait le même matériel. Du coup j'ai réalisé le caisson en medium découpé, et puis ça c'est de la défonce de comment, c'est du PVC expansé. Découpé à la main du coup pour la défonce, parce que je n'ai pas de défonceuse, je n'ai pas de matériel de menuiserie à proprement parler. Du coup voilà, j'ai fait ça comme ça. Donc ça c'est marron foncé. On a les Dark Saints qui doivent être une équipe d'elfes noirs, je crois, avec un logo assez sympa là, comme ça, bien graphique, et puis le côté un peu as de pique, et puis le sang qui descend du pique. Là, on a les Electric Eleven, donc c'est les Skaven. Ça va être sympa aussi, je pense que c'était assez particulier comme logo dans les roses pour du Skaven, mais je pense que ça peut être bien cool. Les Sequoia Lovers, qui sont des Halflings, toujours avec leurs petits autocollants en supplément. Là, on est sur un système plutôt, un logo type écusson standard. Un peu comme les Grèves Titans, mais pas tout à fait pareil. Avec un vert bien pétant. Et enfin, les Erebus Légendes. Donc là, Erebus, par contre, on est plutôt sur une référence 40 000, mais bon, ça fonctionne plutôt bien. Avec un très joli logo multidieu, inspiré, j'imagine, des World Bearers, mais toujours pour le jeu, dans un marron très foncé ici. Donc voilà, c'était une commande plutôt sympa, ça aussi, qui m'a fait un petit peu réfléchir à comment la faire, parce que du coup, quand vous n'avez pas tout à fait le bon matos, il faut pouvoir gérer. C'est quelque chose que je n'ai pas filmé, ça j'avoue, parce que on était plus sur de la menuiserie, alors du coup, c'était pas trop le thème de la chaîne. Donc voilà, c'est peut-être un tort, peut-être que ça en aurait intéressé certains, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était le cas. En me disant, ouais, c'est dommage, j'aurais mieux voulu savoir comment tu faisais. Mais du coup, ouais, c'est des séquences vidéo qui sont perdues. Après, c'est peut-être des choses que je pourrais refaire pour d'autres commandes si jamais on me le demande. Mais sur l'instant, je me suis dit, non, c'est pas tout à fait de la figurine quand même. Si je me mets à faire des vidéos de menuiserie, ce serait pour une autre chaîne. C'est pas le principe. Donc voilà, en tout cas, merci à vous de me suivre. N'hésitez pas à commenter et puis à mettre un pouce bleu si tout ça vous plaît. Abonnez-vous, ça c'est plutôt cool. Et puis à bientôt pour d'autres views et d'autres figurines.